fin d'après-midi à Dambalbilou, quartier populaire de Maradi. Dans cette école coranique de la localité, elles sont une bonne centaine à suivre religieusement le discours de la prédicatrice. Elle les sensibilise sur les questions de planification familiale, de violence basée sur le genre et de scolarisation des jeunes filles. Elle leur explique notamment la position de l'islam sur ces sujets. L'islam interdit à l'homme de maltraiter sa femme. Il doit la protéger, prendre soin d'elle, la nourrir et la conduire dans les structures de santé lorsqu'elle est malade. Mais malheureusement, c'est tout le contraire qu'ils font. Quant à l'utilisation des services de la santé de la reproduction, une femme enceinte doit y aller pour avoir des informations nécessaires et les soins nécessaires pour mener à terme sa grossesse. Si le Niger détient le record mondial de fécondité, avec en moyenne 6 enfants par femme, Maradi, la capitale économique du pays, est bien au-delà de la moyenne nationale. Ici, elle est d'au moins 8 enfants par femme. Tenant compte du contexte de Maradi, il est apparu important de mobiliser les femmes oulémas disposant d'écoles coraniques pour faire des prêches au niveau de leur école, prêches pouvant toucher plus de 200 femmes par école. La particularité de Maradi, c'est que la majorité des femmes, elles utilisent les écoles coraniques. Elles ne partent pas au niveau des structures, ni au niveau des structures de santé. Donc on se disait que pour toucher le maximum des femmes, il faut arriver dans les écoles coraniques. Et c'est ça que nous avons fait. Nous avons d'abord fait un renforcement des capacités des prédicatrices pour les informer par rapport à la situation de Maradi, par rapport à ces 3 thèmes et puis qu'est-ce que l'islam recommande par rapport à ça. Ces activités ont lieu dans le cadre de la campagne de repositionnement de la planification familiale et la lutte contre les violences basées sur le genre dans la région de Maradi. La campagne vient d'être lancée lors d'une mobilisation politique et citoyenne présidée par la première dame du Niger dans la ville de Maradi. Les indicateurs de Maradi sont les moins performants par rapport au niveau national. Nous avons un faible taux d'accès aux services de santé. Si nous prenons par exemple le cas de la planification familiale, nous avons à peu près 7% seulement qui ont accès à la planification familiale. Nous avons à peu près 750 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est inadmissible. Si vous prenez le cas aussi, par exemple, du mariage précoce, nous avons près de 90% des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Je dis bien 90% des jeunes filles. En fait, c'est tous ces facteurs qui concourent à nous faire agir. Cette initiative du Fonds des Nations Unies pour la population, en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger, est celui de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, vise à mobiliser la communauté, les autorités administratives, municipales, traditionnelles et religieuses, les jeunes et les femmes, et les hommes des régions pour assurer une offre des services de santé, de la reproduction, de qualité à la population.